Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. I hope you are well and happy. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris, and I share with you a small slice of my daily life here in France. We're at Gare Saint-Lazare in the Europe district, whose streets bear the names of capital cities. This summer, I'd like to invite you on a four-part historical, cultural, and gourmet summer stroll. Where were we? Oh yes, Michaela and I were walking up Rue de Rome, the street that runs alongside the train station, from the Cours de Rome up towards the Batignolles district. We're going to talk about painting today. So, if you'd like to improve your French comprehension, discover this part of Paris and benefit from all the positive effects of the exact text as well as the cultural notes, you could subscribe to the Cultivate Your French transcript at cultivateyourfrench.com. The subscription costs 4 euros a month and each new subscriber receives the 10 latest episodes. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite vous l'entendrez à vitesse normale. C'est parti. Voilà, Michaela, nous sommes à l'intersection entre la rue de Vienne et la rue de Rome. La rue de Vienne part sur la droite et nous arrivons pile à l'endroit où le peintre Gustave Caillebotte, donc un des peintres impressionnistes, a peint son célèbre tableau Le Pont de l'Europe. On va s'arrêter. Nous avons sous les yeux la représentation du tableau de Caillebotte. Le tableau a été présenté à la 3e exposition impressionniste de 1877. Tu connais le principe des expositions impressionnistes? Oui. Donc, la première, c'était 1874, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Chaque année, il y avait ce qui s'appelait le salon. Donc, c'était là où se réunissaient tous les artistes, les sculpteurs, les peintres, etc. Et c'est là que les beaux-arts faisaient un peu leur marché. Mais il fallait répondre à certains critères. Et les tableaux impressionnistes ne répondait pas à ces critères. Il y en a beaucoup qui ont été refusés. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se réunir et ils ont créé leur propre salon. Mais qui s'appelait pas à l'époque le salon des impressionnistes. Leur salon indépendant. D'ailleurs, il n'y avait pas que des peintres impressionnistes. Il y avait des gens comme Cézanne, Caillebotte, Monet, Manet, Berthe Morisot, Sisley, Pissarro. Et donc, ils se sont réunis chez un photographe qui était hyper connu, qui avait l'espace pour, qui s'appelait Nadar, qui lui a pris les grandes célébrités de l'époque en photo, dont Marcel Proust, par exemple. Et donc, il y a un tableau de Claude Monet qui s'appelait Impression Soleil Levant, qui a déclenché un article satirique dans la presse. L'article était intitulé « L'exposition des impressionnistes ».
mais dans l'idée, c'était de se moquer d'eux. Et maintenant, le texte à vitesse normale avec Michaela et moi, rue de Vienne, à Paris, tout près de la gare Saint-Lazare. Voilà Michaela, nous sommes à l'intersection entre la rue de Vienne et la rue de Rome. La rue de Vienne part sur la droite et nous arrivons pile à l'endroit où le peintre Gustave Caillebotte, donc un des peintres impressionnistes, a peint son célèbre tableau Le Pont de l'Europe. On va s'arrêter. Nous avons sous les yeux la représentation du tableau de Caillebotte. Alors, le tableau a été présenté à la 3e exposition impressionniste de 1877. Tu connais un peu le principe des expositions impressionnistes ? Oui. Donc la première, c'était 1874, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Chaque année, il y avait ce qui s'appelait le salon. Donc c'est là où se réunissaient tous les artistes, les sculpteurs, les peintres, etc. Et c'est là que les beaux-arts faisaient un peu leur marché. Mais il fallait répondre à certains critères. Et les tableaux impressionnistes ne répondaient pas à ces critères. Et il y en a beaucoup qui ont été refusés. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se réunir et ils ont créé leur propre salon, mais qui ne s'appelait pas à l'époque le salon des impressionnistes, leur salon indépendant. D'ailleurs, il n'y avait pas que des peintres impressionnistes. Il y avait des gens comme Cézanne, Caillebotte, Monet, Manet, Berthe Morisot, Sisley, etc., Pissarro. Et donc, ils se sont réunis chez un photographe qui était hyper connu, qui avait l'espace pour, qui s'appelait Nadar, qui lui a pris les grandes célébrités de l'époque en photo, dont Marcel Proust, par exemple. Et donc, il y a un tableau de Claude Monet, qui s'appelait « Impression, soleil, levant », qui a déclenché un article satirique dans la presse, et l'article était intitulé « L'exposition des impressionnistes ». Mais dans l'idée, c'était de se moquer d'eux. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir dès mercredi prochain pour le 3e épisode de cette balade à Paris autour de la gare Saint-Lazare. Bonne semaine d'ici là et à bientôt. Au revoir.